Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Ancêtres de Pixou sur Crusader Kings 2. Et l'heure est grave puisque nous avons une guerre à mener contre l'Empire Byzantin, sachant que nous n'avons pas d'hommes ni d'argent, donc voilà, ça va être, autrement dit, on peut le dire, difficile. Vraiment difficile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les hommes que j'ai ici, et puis on va les amener à Capoue, puisque c'est eux qui vont déclarer la guerre. Ça c'est déjà une idée. Bon, déjà on va faire un petit détour par là. Hein. On va lui éclater la tronche. Terrain escarpé, cavalerie, infanterie. Bon, allez. Ce que je prends en général. On a tué l'évêque David de Machala. Ouais! C'est ça qui est bon. Donc j'ai besoin de thunes et ça va être difficile d'en obtenir. Juste, donc je vais vérifier quelque chose, ça va. Ah, en plus il y a 800 dans la caisse. C'est un peu relou, j'aimerais bien les récupérer, mais je ne peux pas. Donc bon, c'est pas grave. Allez, le mec de l'Empire Byzantin, ça peut être qu'on est fini. Alors là, il y a des mecs, je vais les ranger, ça sert à rien de les garder. Voilà. Alors, on va aller faire Capoue. Voilà. Hein. Bon, ce mec me saoule un peu. Faction dangereuse indépendance. Oui, bah, t'es gentil, tu vas pas faire ton relou. En plus, il est aidé de quelqu'un, en fait. C'est surtout ça, le problème. Voilà. Alors, il a ramené 11 000 hommes, le Byzantin. Je peux pas les gérer pour l'instant. Il est homosexuel. Bon, on va le faire chanter. Hein. Ça va nous faire de la thune, peut-être, comme ça. Pas possible ça, non, 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 non. Aïe, 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 aïe. C'est qui lui? Ah, ils veulent les trois devenir indépendants. Ah oui, non, ça va pas le faire. Je vais tenter de l'assassiner, j'espère que ça va passer. J'ai déjà envoyé mon maître espion là ou pas? Oui, il y a déjà en fait, d'accord. En fait, c'était déjà lui qui... D'accord, c'était déjà eux et ils ont raté, évidemment, sinon c'est pas drôle. Pourquoi il attaque tout seul là? C'est quoi ce bordel? Bon, voilà, j'ai pris Capoue, mais ça va pas m'aider. Je suis très embêté là. Je vais retenter de tuer l'autre, j'ai pas le choix, je suis obligé de tenter parce que sinon je vais me faire foutre. Oh là là, évidemment j'ai pas de chance. Il a tapé au plus mauvais moment l'Empire Byzantin, bah c'est normal aussi hein. C'est le but. Ça m'énerve là quand même, ça m'énerve beaucoup là. On va faire chanter lui aussi, on peut pas avoir un peu d'argent? Je veux de l'argent. Bon, je suis en train de me faire éclater la tronche. Évidemment, j'ai pas d'argent, je peux rien faire, et l'argent que je gagne, je suis obligé de le dépenser pour m'occuper de. Allez, s'il te plaît, là.
Allez, allez, allez. Oui, yes. Alors évidemment, il y a lui maintenant, parce que sinon c'est pas drôle. Tu veux quoi, mec? Je lui envoie pas de cadeau, j'ai besoin d'argent, moi. Voilà, là on se fait éclater, je pense pas que je puisse faire grand chose, hein, très sincèrement. Je crois qu'on va arrêter le massacre. Je peux rien faire de toute façon et je pourrais strictement rien faire, à moins vraiment d'avoir un don d'argent énorme. Je suis coincé, voilà, pas mal. Constanzo de Livourne, ouais j'accepte, ouais, cool. Tu es toujours d'accord pour tuer quelqu'un. Bon là l'Empire est vraiment trop puissant, hein. Sincèrement je... C'est-à-dire que lui il faudrait qu'il meure parce qu'il a 1723 sur son compte, donc c'est moi qui hériterai quoi. Il veut pas me donner un petit peu, non il veut pas mourir. Il a que 57 ans, ouais, d'accord. Il est pas prêt de mourir en plus. Bon vous savez quoi? C'est rare que je le fasse mais là j'ai pas le choix. Ah ça m'énerve, non non ça m'énerve. Je veux pas me rendre, je me rendrai pas. J'irai jusqu'au bout, c'est pas grave. Hop, n'y va pas, tu vas te faire tuer. Perdre 50 d'or, bah oui évidemment j'avais bien besoin de ça, tiens. Ok, il y a la reine de... Il y a la reine aussi là qui est venue dans la guerre. Bon ok, c'est bon, je meurs. Ça sert à rien de... Ouais. Ok, il faudra vraiment penser à détruire Capouille une bonne fois pour toutes, parce que là ça va pas le faire. Là ça m'énerve un petit peu quand même. Ouais. Oui bah oui je sais que ça fait des trucs en moi. Ça c'est bien ça. Bon on avance plus vite, je vais attendre de récupérer de l'argent et puis on va attendre d'avoir des revendications, j'en ai pas donc. Je vais faire un petit peu mes revendications, mais c'est contre la Sicile principalement. Alors la Sicile commence à devenir un peu grand, mais pour l'instant c'est pas mon ennemi numéro 1. Moi mon ennemi numéro 1 c'est Capou, clairement. Voilà. Ah, bah voilà. Un titre peut être créé, le duché de Capou. Bon, bah, voilà. Je crois que c'est réglé maintenant. À qui je vais le donner? Alors techniquement il doit me revenir à moi, mais je vais avoir trop de duchés. Quelqu'un doit le vouloir, non? Ouais, j'en ai trop, j'en ai 3 et je peux pas en avoir 3, c'est 2 max. Je vais le donner à mon héritier, peut-être. Ouais. Bah, faut que non. Je vais le donner à mon fils, je dois bien avoir un fils. Hein. Ouais, si j'ai rien à lui donner, le mec. Ah, c'est nappe. Hein. Voilà, je te donne la République de Capou. Bah, j'en ai que deux des républiques. Ah non, Venise, je fais juste que je peux pas lui donner. Voilà, il est content mon fils comme ça. Bien. Ok, bon bah maintenant on va attendre que l'argent remonte, hein, et puis voilà. Hélas, on n'avait pas le choix. En revanche, il faut bien... Voilà, le Saint-Empire, il va falloir un petit peu le mouiller, hein, parce que... Ah, ça va y même à 21, parfait. C'est l'empereur de... Empire byzantin qui me déteste. Ouais, voilà. Donc évidemment ça va pas. Alors qu'est-ce que je vais faire pendant cet épisode? Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on a commencé, donc je vais me contenter d'économiser de l'argent, je pense.
On va voir si je peux choper une revendication. Il va juste falloir que je bouge mon mec. Ouais, allez, hop, je vais faire le grand tournoi. Alors, où est-ce que je vais chercher une revendication? C'est indépendant, ça. Non. L'encode, c'est indépendant. On va chercher à récupérer l'encode. Les petits territoires qui sont autour de moi, là. L'heure est venue. Ma femme est enceinte. Ouais, d'accord. L'enfant a du potentiel. L'enfant a du potentiel. Il est bien sociable. Hein. Ah, c'est idiot. Le Saint-Empire est en train de récupérer tous ces petits territoires là. C'est dommage. Alors lui, il commence à me saouler. Donc je vais lui envoyer un cadeau. Arrête de me gaver, s'il te plaît. Je suis en guerre. Ah d'accord, je suis en guerre contre le roi de France. Bah c'est bien. C'est bien. C'est une théocratie. Et donc c'est une guerre pour un embargo de Gênes qui vient, qui s'est reformé. Et donc je suis en guerre contre la France. C'est génial. Voilà, super. Et bah vous savez quoi, je ferai ça au prochain épisode. J'en ai un petit peu marre des guerres. En plus j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. C'est n'importe quoi. J'ai beaucoup de comptoirs là-bas. Oh, attendez, du coup je regarde les comptoirs. Il y a Valence maintenant, il y a une nouvelle république, c'est Valence. Il y a Gênes toujours, il n'y a que Gênes en fait, hein. Les autres il n'y a pas. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant cette affaire, la Gênes. En même temps, bon, j'ai quasiment rien en France en fait, donc je m'en moque, j'en ai qu'un seul. Donc je m'en moque en fait. J'ai me rends, ça fait quoi? Ouais, un comptoir commercial. Ouais, d'accord. Je vais continuer un peu, du coup. Sincèrement, je m'en mets. Ah bah, j'ai gagné le tournoi, je crois. C'est bien. Bam, voilà. Par hasard, l'autre, il serait pas mort. Non. Bon bah j'attends que ça soit... Toi tu vas me gaver aussi. C'est le mec du Senoussi quoi, voilà, il me saoule ce gars là. Tu peux pas mourir? Ce serait cool en fait que tu meurs. Non. Ce serait une bonne idée que tu meurs, j'ai absolument pas envie de venir te chercher. D'un autre côté, ça me fait perdre beaucoup d'argent, donc ouais, je vais aller le chercher, mais franchement, j'ai pas vraiment envie, quoi. Alors, faites parler à Alvzan à coup de fouet. Il a un retard de langage. Je vais le confier à des nounous. Alors, host, on lève l'armée. Eh ben écoutez, je gère ça, et puis ensuite, je... Je gère ça, et puis ensuite, j'arrêterai. Et puis voilà. Un enfant n'a pas de tuteur, oui, on va s'en occuper. Moi-même. Ça va, j'ai 5000 hommes, ça devrait le faire. Je connais un qui va mourir. Voilà. Je vais tuer un mec, parfait. $410 d'or, c'est en train de monter. Hop. Il est pas mort l'autre. Yes, il est mort l'autre. Je vais pouvoir baisser ça. Pas à zéro, mais je vais bien pouvoir le baisser déjà.
600 d'or. Donc je finis cette guerre et puis ensuite j'arrêterai. Et d'ailleurs le français qui me fait strictement rien comme dégâts, c'est affligeant. Je vais peut-être pouvoir aller le chercher du coup, le français, on va voir. Prochain épisode. C'est bien parce qu'il a débarqué là, le mec. Et le gars, il se fait laminer par 300 hommes, quoi. On va aller les chercher, hein. Pas de raison. Ouais, devient charitable. Ouais. Alors, mon parent, on va le marier à un intendant. Voilà. Alors, mon évêque est mort. Recherche de technologie culturelle, tiens. Alors, une fabrique des revendications, ça prend du temps. Hop là. Bref, désolé, petite coupure. Alors, encore un enfant qui n'a pas de tuteur. Ah bah c'était la même que tout à l'heure, c'est juste que l'autre est mort. Donc, du coup je vais regarder parce que peut-être du coup que le respect a encore baissé. Non, c'est... rédigeons ce tome du jugement, oui. Ah bah je suis mort. Bon bah comme ça c'est réglé. Ouh bah j'ai de l'argent maintenant, dis donc. Ouh que j'ai de l'argent. Alors, bon. Deux enfants n'ont pas de tuteur. Alors, éduquons les enfants. Bon bah je vais le faire moi-même. En gros c'était ceux que j'étais en train d'éduquer quoi. Alors là j'ai de la thune, là je vais pouvoir me faire de mes guerres là. Ça c'est ça qui est bien. Ouh l'héritier il est jeune. Il est très très jeune l'héritier, mais je peux pas le marier donc tant pis. Arranger un mariage. Bah si je peux. Mais c'est jusqu'à la 67 ans, on va le marier avec elle. Avec lui. Ah bah non voilà je peux pas. Et il est en guerre contre moi mon héritier. Ah bah c'est bien. Attendez, il appartient à la République de Gênes le mec. Ok. Ouais, alors déjà, il va falloir que je mette plein de thunes dans sa caisse, parce que là, c'est... Ouais. C'est relou, on peut pas sélectionner une somme. Ah, ça, c'est vraiment relou, hein, qu'il faille cliquer et spammer, là. Ça aurait pu faire une petite mise à jour pour qu'on puisse mettre, quoi. Je sais pas, c'est quand même pas compliqué. Alors, il y a de l'argent qui part, vous voyez que déjà, j'en ai beaucoup en moi. Rien à voir. Alors, on va lui laisser une marche quand même. En revanche, il est jeune. Il a 48 ans. Ouais, j'aimerais bien finir cette guerre là, noire. Comme ça, plus tard, je pourrais m'attaquer au roi de France, qui fait strictement rien d'ailleurs. Il fait rien, le roi de France, hein, il attend, il peut rien faire en fait, j'ai l'impression, plutôt. Donc, je vais me faire un plaisir de gagner de l'argent sur son dos, mais en revanche. Il faut que je termine ça d'abord. Ah ouais, tu revendiques le titre de Serbie, toi. Tu mets fin à ton complot. Ah, tu veux pas, d'accord. Très bien, vive le respect. Ok. Alors, je suis passé à 36%. Tu veux même pas une paix blanche. Ok, tu sers vraiment à rien, toi. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille chercher ton pote. Génial. Allez.
56%. Hop, 60, tu veux vraiment pas? Ok. Si tu veux pas, tu veux pas, on va attendre. Hein. C'est pas grave, hein. On va ranger les bateaux. Ma femme est enceinte. Ouais, trop bien. Ouais, j'approuve. Et un enfant n'a pas de tuteur, et un. Super, je perds de l'argent. C'est à cause de ces mecs-là, là, que je peux pas aller chercher. Alors, ça y est, je crois qu'il arrête. Une paix blanche. Une paix blanche. Ah, ça veut dire que quelqu'un a dû lui déclarer... Bon, j'accepte de toute façon, je m'en moque. Ça veut dire que quelqu'un a dû lui déclarer la guerre, mec. Je vais aller chercher les rebelles et puis j'arrête là. Allez, hop. Voilà, très bien. Bon, bah écoutez, je dev les armées. Prochain épisode, on défonce la France. Je vais me faire plaisir. Il a pas l'air puissant, très sincèrement. Je suis à moins 40 parce qu'en fait, j'ai rien fait. Du coup, c'est baissé. Mais très sincèrement, il est pas très puissant. Donc, je vais me faire un plaisir d'aller essayer de l'écraser. La République de Pise s'est reformée ici. Donc, je vais regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de ça. Donc, ça donne. Il y a moi, Gênes et Valence encore. Alors qu'à un moment, il n'y avait plus personne. Mais évidemment, ils réussissent à se reformer. On ne sait pas trop comment, mais ils réussissent. Donc bon. Bah écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à faire tout ce que vous voulez. Mettre des pouces verts. Enfin bref, voilà la totale. Il faut que la chaîne continue d'évoluer. Merci pour tous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!